Ça va? Je suppose que vous n'avez pas eu trop de soucis habillés comme ça. Sans aucune. Les collègues de la BRI ont vérifié et l'arrière de la maison n'est pas surveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Pas rien. Juste une petite question. La robe, elle est fournie avec un défibrillateur? C'est comme je suis hypocardiaque, moi. Deux agents sont avec Léonard. Et les lignes téléphoniques d'Evermer et de Carmen sont sur écoute. On a réussi à tracer l'appel du ravisseur? Non. La BRI attend les instructions pour la demande de rançon. D'ici là, leur patron veut la plus grande discrétion, pas de mouvement d'enquête. Bon, Philippe, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rester là toute la soirée ou... Bah oui. Bah non. Ah bah non. 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 Faut pas être impliqué dans l'enlèvement. Son complice est probablement Marco Moreno, le petit ami caché de Nina. Il a pas appelé depuis hier soir, il est sans doute avec elle. Je préviens tout le monde. Ok. Faut qu'on travaille en bonne intelligence entre services. La soirée va être longue, c'est un petit creux. Vous voulez quelque chose? Non, désolé, Pascal vient me chercher après son service. Mais d'ailleurs, faut que je me change. Salut. Bon. Déjà prête? Pas vraiment, non. Une seconde. Oui, capitaine Briard.